assim que traz fora. Bonjour à nos amis qui nous suivent depuis la maison. J'espère que vous allez bien. Je me nomme Madame Sordro Neturo Augustine, enseignante à l'école Gawa à Sèbre de Kaya. Et avec la classe du CPD ici présente, nous allons apprendre à lire un mot. Plusieurs syllabes aujourd'hui. Cette séance proprement dite sera conduite sous forme de travaux dirigés à travers quatre étapes, à savoir la discussion, l'information, l'entraînement application et l'objectivation. Donc, suivez bien car vous allez apprendre avec nous. Debout. Les oiseaux font couille, 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 là, c'est ça on va faire, c'est compris. 1, 2, 3. Les oiseaux, les pigeons, les sambas, les pigeons, la lévite, les petits, qui est l'esprit, va m'amener, je lui vais à ma face, je sais mis, à son pas, à ma vie, je sais tous, petits, je sais tous, petits. Bien, assis. La fois passée, on a appris comment il faut lire une syllabe ou un mot à une syllabe. Donc, je mets un mot au tableau et je vais quelqu'un qui va venir lire. Kalou, viens au tableau, tu essaies de nous lire ce mot. Suivez. Kabir arrive à lire correctement. Hein? Non. Donc vous échangez. Dites-moi pourquoi Kabir n'arrive pas à lire correctement. Kabir à ta place. On va apprendre ça tout de suite. C'est bon? Dites-moi pourquoi Kabir n'arrive pas à lire correctement le mot qui est au tableau. Vous avez échangé en groupe, non? Voilà, dites-moi pourquoi Kabir n'arrive pas à lire correctement le mot qui est au tableau là. Oui? Kabir ne sait pas parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas? Comment? Parce qu'il ne sait pas comment faire. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment il faut faire pour lire un mot à plusieurs syllabes. Vous avez compris? Mais selon vous, pourquoi nous devons apprendre cela? Pourquoi nous devons apprendre cela? Oui? Pour parler fort. À la dictée. Ah bon? Pourquoi nous devons apprendre à lire les mots? Oui? Parce que ça nous servir en lecture. Ça va nous servir en lecture. Très bien. Suivez parce que deux fois, on vous propose des textes ou bien en lecture et il y a des mots que vous n'arrivez pas à lire correctement. Hein? Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à lire correctement les mots parce que cela peut arriver en lecture ou en
leçon. Donc, suivez très bien, car à la fin, chacun de vous doit être capable de lire correctement les mots que je vais vous proposer en suivant ce que nous allons faire tout de suite. Vous avez compris? Oui. Ok. Le mot qui est au tableau, comment on va faire pour pouvoir bien le lire? On va faire ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien lire ce mot-là? On va faire ça ensemble, réfléchissez. Oui, c'est nous ça. On va décomposer en syllabes. On va décomposer ça en syllabes. Donc, regardez, c'est combien de syllabes? Quand vous regardez comme ça là, c'est combien de syllabes que vous pouvez voir? Oui, Nemata. C'est deux syllabes. Alors, dites-moi, c'est quelle syllabe et quelle syllabe? C'est quelle syllabe et quelle syllabe? Oui, Sia Sia. C'est pro. Très bien. On a pro et sain. Bien. Donc, on a fait quoi? On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, Bessirou. On a décomposé ça en syllabes. Pro et sain. Maintenant, si on finit de décomposer en syllabes, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir lire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi. Oui, Kabirou. On lit la première son. C'est pas son. La première syllabe. La première syllabe. La première syllabe. On lit la première syllabe. Qui va lire la première syllabe? Moi. Qui va lire la première syllabe? Oui, Simia. Pro. Pro. Comment tu as fait pour lire pro? Pour lire pro, là, comment tu as fait? Oui, Gira. On a fait pré-o-pro. Pré-o-pro. Pré, là, c'est quoi? Oui? On a séparé en son. On a séparé en son. On revient comment il faut faire pour lire une syllabe. D'accord, donc on a séparé ça en son. On a pré et o. Comme ce qu'on avait vu, comment il faut faire pour lire une syllabe. Donc, pré, pré, o, ça donne quoi? Nemata? Ça donne pro. Répète. Pré, o, pro. Très bien. Pré, o, pro. Maintenant, on passe à la deuxième syllabe. Comment on va lire ça? Comment on va lire ça? Ah bon? Oui, Balkissa. Saint. Saint. Alors, comment tu as fait pour lire ça? Saint. Est-ce que c'est en syllabe qu'on va décomposer? Hein? On a décomposé en son. On a décomposé en son. On a quel son et quel son? Oui? Ce et un. Ce. Ce et un. On a che et un. Bien. Donc, qui va lire maintenant? C'est quoi et puis quoi? Oui, Mamadou. Che, un, chien. Très bien. Donc, on a che, un, chien. C'est bien. Maintenant, on a décomposé en syllabes. On a décomposé en son pour pouvoir lire les syllabes. Comment on va faire maintenant pour lire le mot là? Comment on va faire pour lire le mot? On réfléchit ensemble et on dit comment on va faire. Qui va me dire rapidement comment on va faire? Dira, comment on va faire pour lire le mot? On a déjà décomposé. Maintenant, comment il faut faire pour lire? On va lire la première syllabe. Pro. Ensuite. Et je fais comment? Je lis la deuxième syllabe. J'ajoute ça dans ma tête. Et je lis cette fois. Très bien. Donc, pour lire un mot à plusieurs syllabes, on décompose ça d'abord en syllabes. On lit la première syllabe
Garde ça dans la tête. Lis la deuxième syllabe. S'ajoute ça dans la tête. Et je lis une seule fois le mot. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Oui. Ok. Si vous avez compris, je vais mettre un mot au tableau et un élève va venir essayer de faire ce qu'on a fait tout de suite là et lire ce mot-là, on va voir si vous avez compris. Bien. Voici un mot au tableau. Qui va aller essayer de lire ce mot en suivant ce que nous venons de faire tout de suite? Oui, Mamadou. Tiens. Allez, tout le monde suit. Ouragan. Ah bon? Décompose, on va voir. Pour lire, là, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? On décompose ça en syllabes. Donc, tu décomposes en syllabes, on va voir. Donc, fais comment on fait, comment tu as fait pour lire où là? Où c'est quoi et quoi? C'est O et U. Donc, O, U. O, U, U. Mm-hmm. Le A là. Mm-hmm. Le A là. Mm-hmm. Donc? Ouragan. C'est bon? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est très bien. Alors, pour, dites-moi maintenant, pour lire un mot à plusieurs syllabes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Bassilou. On décompose. Faut reprendre la phrase. Pour lire un mot. Faut laisser un mot là seulement. Pour lire un mot. Mm-hmm. On décompose en syllabes. Mm-hmm. Je lis le première. Là. Je lis la première syllabe. Mm-hmm. Je garde ça dans ma tête. Mm-hmm. Je lis le deuxième. La deuxième. Je lis la deuxième. Si là, mm-hmm. j'ajoute ça dans ma tête mm-hmm. et je lis une seule fois. Mm-hmm. Très bien. Mm-hmm. Donc, pour lire un mot, je décompose ça en syllabes. Je lis la première syllabe, je garde ça dans ma tête. Je lis la deuxième syllabe, j'ajoute ça dans ma tête et je lis une seule fois. Qui va répéter? Qui va répéter? Oui, Mamadou. Mm-hmm. Je décompose ça en syllabes. Mm-hmm. Je lis la première syllabe. Mm-hmm. Je garde ça dans ma tête. Mm-hmm. Je lis le deuxième. La deuxième. La deuxième syllabe. Mm-hmm. J'ajoute ça dans ma tête. Mm-hmm. Je lis une seule fois. C'est très bien. Tu vas répéter. Oui. Pour lire une syllabe, mm-hmm. je décompose ça en son. Mm-hmm. Est-ce que c'est son? Je décompose ça en syllabe. Mm-hmm. Je lis la première. La première. La première syllabe. La première. La première syllabe. Mm-hmm. Je garde ça dans ma tête. Mm-hmm. Je lis la deuxième syllabe. Mm-hmm. J'ajoute ça et je lis une seule fois. C'est très bien. Mm-hmm. Oui, Yasmine. Pour lire un mot, je décompose ça en syllabe. Mm-hmm. Mm-hmm. Je garde ça dans ma tête, je mm-hmm. lis le deuxième. La deuxième. La deuxième syllabe. Mm-hmm. J'ajoute ça dans ma tête et je lis une seule fois. C'est bien. Mm-hmm. Aïda. Pour lire un mot, mm-hmm. je décompose en syllabe. Mm-hmm. Je lis la première syllabe. Mm-hmm. Je garde ça dans ma tête. Mm-hmm. Je lis le deuxième. La deuxième. La deuxième syllabe. Mm-hmm. J'ajoute ça et je lis une seule fois. Très bien. Mm-hmm. Nemata. Pour lire un mot, mm-hmm. je décompose en syllabe. Mm-hmm. Je lis la première syllabe. Mm-hmm. Je garde ça dans ma tête. Mm-hmm. Je lis la deuxième syllabe. Mm-hmm. Je lis une seule fois. Mm-hmm. On ajoute ça avant de lire une seule fois. Non. Et j'ajoute ça. Mm-hmm. Et je lis une seule fois. C'est bien. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Oui, Kabirou. Pour lire un mot, mm-hmm. il faut décomposer ça en syllabes. Mm-hmm. Je lis la première syllabe, mm-hmm. je passe ça dans ma tête. Mm-hmm. Et je lis la deuxième syllabe, mm-hmm. j'ajoute ça dans ma tête. Mm-hmm. Et je lis une seule fois. C'est très bien. Un bon pour vous-même.
C'est bien. Vous avez compris la leçon? Oui. Si vous avez compris la leçon, je vais vous proposer des mots et vous allez ensemble, en groupe, essayer de faire la même chose que nous venons de faire et lire ces mots. Vous avez compris? Ok. Donc, effacez vos ardoises. Je vais vous proposer des mots et vous allez essayer en groupe de lire ces mots-là en suivant ce que nous venons de faire tout de suite. Vous avez compris? Ok. Donc, vous les copiez aussi au même moment que moi. Nous avons trois mots au tableau. Allez, allez-y, vous les copiez ça et vous essayez de lire ça en suivant ce que nous venons de faire. C'est trois mois, dépêchez-vous. Yasmine. Si c'est fini, on va lire ça ensemble au tableau. Vous avez compris? Ok. Qui vient pour le premier mot? Apprendre un du groupe numéro 2. Aziz. Tu lis et puis tu nous dis comment tu as fait. C'est bien lu. Dis-nous maintenant comment tu as fait. Allez, vas-y, on va voir. Donc, dis maintenant une seule fois. C'est bien? Oui. Allez, on va voler. C'est très bien, Aziz. Le groupe, le mot, le deuxième mot. Le groupe numéro 2. Tchagabé. Tableau. Allez, vous suivez. Il faut lire, on va voir. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il a bien lu? Est-ce qu'il a lu une seule fois? Non. Tchagabé. Il faut lire, on va voir. Le plus vite. Le plus
Plus vite. Le syllabe. Voilà, dis-nous maintenant comment tu as fait. J'ai décomposé ma syllabe. Uh-huh, vas-y, on va voir. D'accord. Montre-nous comment tu as fait pour lire. Tu as décomposé en syllabes. Très bien. La première syllabe, c'est quoi et quoi? Oui, c'est quoi? C'est quel son et quel son? Montre la première syllabe, on va voir. Oui, c'est quoi et puis quoi? Non. Ça, c'est une syllabe. Ça, là, c'est une syllabe. C'est quoi et puis quoi? Qui va l'aider? C'est quoi et puis quoi, Yassia? C'est le E O. C'est le O et O. Donc, on a un E O. Je garde ça dans la tête. Faut parler fort. Je garde ça dans la tête. Ensuite, on a quoi? Je garde ça dans la tête. Le A là. Je joue ça dans ma tête. Et je lis une seule fois. Le pilote. Très bien, un bon pour Charbé, c'est très bien Charbé. C'est bien. Le groupe numéro 1 maintenant, qui vient? Oui, Ambiatou. Vas-y. Comment tu as fait? J'ai décomposé à Silla. Allez, vas-y. Donc. Maintenant, la première syllabe, c'est quoi et puis quoi? La première syllabe, c'est quel son et puis quel son? Donc, on dit ça comment? Don. Reprends, de? De, o, don. De. Tu mets ça où? Je garde ça dans ma tête. Je lis la deuxième. La deuxième syllabe, là, c'est quoi et quoi? B et I. B et I. B et I. Je dis ça dans ma tête. Don B. C'est bien? Oui. Est-ce que c'est bien? Oui. Allez, moi pour elle. C'est très bien. Vous avez compris? Oui. Alors, qui va me dire rapidement comment il faut faire pour lire un mot? Comment il faut faire pour lire un mot? Oui. Basirou. Pour lire un mot, on décompose. Je décompose. Je décompose ça en syllabes. Je lis la première syllabe. Je garde ça dans ma tête. Et je lis le deuxième syllabe. La deuxième syllabe. J'ajoute ça dans ma tête. Et je lis une seule fois. Très bien. Qui va répéter? Oui, Mamadou. Pour lire un mot, je décompose ça en syllabes. Je lis la première syllabe, je garde ça dans ma tête. Je lis la deuxième syllabe, je garde ça dans ma tête. Et je lis une seule fois. Très bien. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Oui? Nous venons d'apprendre comment lire un mot. Très bien, nous venons d'apprendre comment lire un mot. Ça va nous servir à faire quoi? Mais Mata, faut suivre. Tu veux bien t'asseoir. Ça va nous servir à faire quoi? Oui, Mamadou. Ça va nous servir à lire, à bien lire correctement. Ça va nous servir à lire correctement, en lecture. Très bien. Et en quoi encore? En quoi encore? Oui. En dictée. Est-ce qu'en dictée, là, on dit oui? En leçon. C'est bien? Oui. Ok. Est-ce que vous avez aimé la leçon, là? Oui. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez aimé la leçon? Oui. C'est très bien. On avait dit au commencement de la leçon là qu'à la fin de la leçon, chacun doit être capable de lire un mot. Qui peut lire un mot en suivant la démarche que nous venons d'apprendre? C'est très bien. Bravo à vous. Un bras pour vous.
Très bien. Nos amis à la maison, j'espère que vous aussi, vous pouvez faire de même. Je vais vous proposer des mots au tableau et quand vous allez les recopier et arriver à la maison, vous allez essayer de les lire en suivant la démarche que nous venons d'apprendre tout de suite. C'est compris? Allez-y, recopiez avec moi rapidement. C'est bon? Bien, nous venons de terminer notre leçon. J'espère que vous avez appris et que vous avez aimé. Nos amis à la maison, faites aussi les exercices que je viens de vous donner, car nous y reviendrons la prochaine fois. Très bien.